À Kénitra, comme sur l'ensemble du territoire, les opérations de contrôle se poursuivent. Il s'agit de s'assurer de la qualité des accessoires téléphoniques et plus particulièrement des chargeurs vendus dans les marchés locaux. Cette campagne est née le 11 septembre et est menée par les services du ministère du Commerce et de l'Industrie en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Le premier contrôle s'effectue au niveau des importations. La majorité des produits importés sont soumis à des règles de contrôle strictes. En plus de cela, il y a le contrôle au niveau du marché. Et c'est ce que nous sommes en train de faire là. Cette opération, donc, vise à la protection du consommateur contre les incidents causés par l'utilisation des chargeurs, des batteries non conformes aux normes de qualité. Après un contrôle strict, on octroie des autorisations de vente qui permettent aux vendeurs de proposer des produits de qualité sur le marché. Dans le cas contraire, on bloque la commercialisation. Cette action s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de contrôle lancé au début de l'année. Il concerne les équipements domestiques, les produits électroniques et même le textile. Ce plan a permis de retirer du marché plus de 300 000 unités ne respectant pas les normes en vigueur.